j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne des tribulations d'une maman au foyer. Et comme vous le voyez, on va attaquer le diamond painting d'un mètre 30 sur 61 cm. Je suis tellement contente d'attaquer ce DP. Voilà, je vais vous expliquer tout ça avant toute chose. J'ai eu le poste pour lequel j'ai postulé, donc je suis super contente. Pour ceux qui se posaient la question, c'est un poste de secrétaire médical dans un laboratoire d'anapathologie. Voilà. C'est juste ça. Donc merci à vous parce que vous avez envoyé plein de petits messages de vous m'avez porté chance, je pense. Donc du coup merci beaucoup. Merci à mes nouveaux abonnés. Je viens d'avoir un message, un commentaire qui m'a vraiment fait plaisir parce que la personne m'a expliqué pourquoi elle s'est abonnée à ma chaîne et le fait elle m'a dit c'était vraiment ma le fait que je me prenne pas le chou, enfin que j'ai pas le melon, etc. Après, voilà, donc ça me fait plaisir, mais il n'y a pas lieu d'avoir le melon, je suis juste une personne qui s'amuse à faire des vidéos pas toujours prêtes. Ça c'est vrai, j'avoue que je suis pas super organisée au niveau de mes vidéos, mais en même temps, j'ai pas envie de les organiser en fait, si vous voulez, j'ai pas, sauf celle-là bien sûr, où j'ai un petit peu anticipé, mais j'ai pas envie de les organiser, j'ai envie de rester un peu spontanée comme ça. Voilà, donc écoutez, donc merci à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir. J'espère que les vidéos continueront à vous plaindre, oui, à vous plaire. Du coup, voilà. Il y a toujours, du coup, l'objectif d'atteindre les 500 abonnés. Et dès qu'on a 500 abonnés, je vous offre un petit cadeau à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous pour vous remercier. Donc, n'hésitez pas à partager, ben, du coup, ma chaîne. Et puis, voilà, on va attaquer le vif du sujet. Le diamond painting bougie et orchidée que j'attendais mais tellement depuis longtemps de commencer. J'ai fini le diamond painting de ma qui a été fait pour ma collègue. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais tout casser. Ok. Du coup le voilà. Le home sweet home. Regardez-moi ça. Il rend super bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, pour le coup, il rend vraiment super, super bien. Je vais reposer ça, je reprends après. Ok, du coup, voilà, il rend super bien, donc comme quoi, certes, l'emballage n'était pas bon, certes, la colle était mal mise, mais finalement, il était, voilà, il rend super bien. Après, tous les perles 310, c'était une catastrophe, mais une horreur. Elles étaient microscopiques, j'ai dû en prendre ben, de ceux que j'avais encore de côté parce que c'était pas possible quoi. Du coup voilà, on va attaquer avec notre petit diamant, notre petit DP, donc bougie et orchidée. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais faire un travail vertical pour ce DP. Pourquoi faire un travail vertical? Déjà pour mon dos parce que je pense que je suis comme tout le monde. Vous allez entendre mon lave-vaisselle je pense. Je suis dans ma cuisine actuellement. Du coup, comme tout le monde, j'ai super mal au dos quand je fais des DP parce que je suis penchée sur ma table. Donc du coup, c'est pas l'idéal pour mon dos. Donc du coup, travail vertical, il n'y a rien de tel. Hein. De toute façon, les peintres travaillent debout, c'est pas pour rien. Ici, j'ai collé mon petit DP avec de la pâte à fixe sur ma baie vitrée. Ici, ici. Et en 6 points parce que je me suis dit, sinon il va se force avec les perles, ça va devenir de plus en plus lourd. Donc autant mettre tout de suite 6 points de pâte à fixe. Et j'ai mis ici le DMC, donc le code couleur hein, de notre petit DP. Jugez pas mon bord, et je vous assure. Bon, j'ai tenté une organisation, on va voir ce que ça va donner. Si ça marche pas, bah, je ferai une autre organisation. En même temps, c'est la première fois que je fais un DP aussi grand. Donc du coup, bah, il a fallu que je trouve voilà, des idées d'organisation. Bon, il est là. Je l'ai mis à hauteur à ma hauteur, voilà. Et du coup, toutes mes diamants, enfin toutes mes diamants, n'importe quoi, toutes mes perles et mes diamants sont ici. Donc là, c'est l'accès à ma terrasse. Et donc toutes mes perles sont ici. Donc il y a 42 couleurs, les 42 couleurs y sont. Donc avant même de faire une vidéo et avant même d'attaquer le DP, j'ai mis tous les diamants dans des sachets comme ça. Donc par exemple, vous voyez le 3607. Il y en avait, je sais pas, 3 paquets par exemple, bah, j'ai tout mis dedans. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de place pour ranger en fait, enfin il me prenait trop de place, donc j'étais obligée de... je vais essayer de ne pas montrer les photos quand même. J'étais obligée en fait de... Bah, de faire comme ça, parce que sinon je pouvais pas ranger, j'étais obligée de laisser le colis ouvert comme ça, il y avait toutes les perles partout. La couleur qu'on aura le plus, c'est le 318, donc qui est là. Voilà, donc il est bien bien plein. Ce tiroir là, c'est le tiroir où je range mes affaires de DP.
Je pense vous faire une vidéo dessus. Après, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est juste, voilà, c'est juste mon organisation, mon petit coin ADP avec une autre partie un peu plus loin. Donc, du coup, voilà comment ça va se passer pour donc, le DP de bouger et orchidée, parce que voilà, ça sera plus simple pour moi. Ensuite, ce que je voulais vous dire, je vais arrêter, c'est eux, c'est insupportable. Je voulais vous dire qu'il y aura deux types de vidéos sur ce diamond painting là. Je vais vous remonter un tout petit peu, ok? Sur ce diamond painting là, il y aura donc deux types de vidéos. Des vidéos où je vais faire comme d'habitude, hein, un diamond papotage, où voilà, je vous raconterai un petit peu ma vie. Et il y aura des vidéos en vitesse rapide. Je pense que... En fait, je voulais vraiment le faire qu'en vitesse rapide. Après, je me suis dit que c'était pas juste. Déjà, en plus de ça... la personne avec qui je me suis le rapprochée le plus sur YouTube, c'est Style et le Diamond Painting et ses loisirs, pardon. Et elle n'aime pas les vidéos en timelapse, ce que je peux comprendre, les speed et tout, je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. Du coup, je trouvais ça dommage que la personne avec qui je m'entends le plus ne regarde pas mes vidéos parce que ben elle n'aime pas ce format-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos diamond papotage et aussi des vidéos en vitesse rapide parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les diamond papotage, ça les intéresse pas de savoir comment s'est passée ma journée de travail par exemple. Donc il y aura les deux vidéos, voilà, aussi bien en vitesse normale qu'en vitesse rapide. J'essaye de contenir. Je vous explique, il est 20h. Si déjà je parle comme ça à 20h là, ça va pas aller, hein. J'essaie de cacher la lumière que j'ai mis parce que ça me tape sur les yeux. J'essaie de contenter, voilà, le plus de monde possible. Ensuite, quoi dire d'autre? Ça doit être à peu près tout au niveau de l'organisation. On va vraiment attaquer couleur par couleur parce que sinon je ne vais pas m'en sortir au niveau des diamants. Et on va aussi... je pense qu'on va travailler certes de façon verticale au niveau de notre façon, de notre posture, mais on va travailler de façon horizontale. Je pense qu'on va faire vraiment tout ligne par ligne. Je pense que ce sera vraiment ça le plus simple. Du coup, voilà comment je vais faire pour l'organisation de ce DP là. Je vous fais plein de bisous et puis voilà, à moins qu'on commence un petit peu ensemble. Allez, on va commencer un petit peu ensemble. Je vous reprends tout de suite. Vous êtes prêts? On va poser la première perle. Donc les premières, ce sont, c'est le symbole D, donc c'est le 30-72. Allons-y, écoutez. Je vous assure, c'est vraiment une joie. Je comprends qu'il y en ait qui, à force, deviennent blasés, à force de faire des DP et tout. Mais c'est vraiment une telle joie de commencer un DP, de... En fait, je pense qu'il y en a, elles ont tellement d'avance et tellement de sortes différentes et tout ça, que ben, du coup, elles prennent même plus plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis peut-être... Je sais pas, je suis peut-être... Ça se trouve pas du tout, hein, mais... je sais pas, enfin, moi, je trouve ça juste... voilà, c'est un vrai plaisir de commencer un DP, quoi. C'est vraiment... ouais, je sais pas. C'est satisfaisant, c'est déstressant, c'est une joie. Oh, surtout un immense comme ça, quoi. Franchement, c'est un plaisir à faire celui-là, à mon avis. Alors, franchement, mes premières impressions, c'est au niveau des symboles. Ils sont vraiment super clairs. D'ailleurs, je suis en train de rigoler parce qu'il y a des symboles qui se suivent et ça n'arrête pas d'écrire. NC, 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 donc du coup Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Donc du coup je trouve ça juste trop marrant, ça me poursuit ça. C'est super clair au niveau des symboles, franchement. Ouais, il est très bien. C'est super bien écrit. Ouais. J'ai voulu un tout petit peu le repasser parce que voilà, au niveau du centre, ça s'est bien mis à plat, hein, il n'y a pas l'air d'avoir trop de bulles, mais c'est au niveau du centre là que ça va poser problème, je pense. Après, je vais voir avec le poids des. Avec le poids des perles. Quitte à ce que je le mette encore sous un meuble une fois que toutes les perles seront posées, vous voyez ce que je veux dire? Après voilà, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc écoutez, ça y est, les premières perles sont posées, oh là là, ça me fait tellement bizarre. J'ai fini celui de ma collègue il y a genre 2 heures, quoi, vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste rangé mes perles et tout.
J'ai jeté la plupart des perles parce que, enfin, les 310, j'ai même pas cherché à comprendre, je les ai jetées. Parce que voilà, ça sert à rien de garder des trucs comme ça là, dans cet état-là, donc ouais. Et du coup, je commence déjà celui-là, après j'avais trop hâte. Après, pourtant, j'avais presque dit que j'en ferais un autre entre deux parce que même sur celui-là, il y a beaucoup de bois. Enfin, de bois. De effet bois, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des lattes. L'arrière, c'est du bois et tout. Et j'en avais tellement marre dans le home sweet home du bois, des couleurs du bois, que je me suis dit, je vais un peu changer. NC, 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 plus, 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 je cherche du D. C'est fini pour le D. Il n'y avait pas beaucoup sur cette ligne-là. On va faire la deuxième ligne du coup. Est-ce qu'on travaillerait en deux lignes ou en trois lignes? On va travailler par deux lignes ou trois, je pense. Parce que sinon, une ligne par une ligne, ça vaut pas la peine. Je pense que je vais faire genre trois lignes par vidéo. Ce sera pas mal, je pense. Non, tu ne fais pas ça. Je vais chercher ma pince, j'arrive. Ok. Ah. Et du coup, bah, sur le carton de ma cuiseuse Harry d'ailleurs, hein, si vous voulez tout savoir, j'ai installé ma lampe histoire que je puisse ne pas m'exploser trop la vue. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut que je mette mes lunettes. Mais bon. Bah, du coup, ça me fait une espèce de petit coin où je peux poser mes conneries, quoi. Vous voyez le genre. Enfin bref, du coup, bah, voilà. Je suis trop. Je suis trop contente. Alors, je me vois bien, je vois bien que vous voyez rien, vous. Mais bon, je vais vous rapprocher, vous inquiétez pas. Je vais quand même vous montrer qu'au niveau des symboles, vraiment, pour le coup, c'est tout à fait net et clair. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez plus. Mais bon, bref. Je tenais vraiment à être avec vous pour commencer ce DP-là. Parce que, voilà, c'est le plus grand DP que j'ai reçu. Pour l'instant, arrivera aussi bientôt ben, l'autre, hein, le DP que j'ai commandé qui fait 1m60 sur 60 cm. Donc ça sera le même principe, je pense que je vais travailler debout aussi, tout simplement pour pas me briser le dos. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça mon objectif, c'est de ne pas me briser le dos en faisant des DP parce que bon, ce serait dommage quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon DP à vous tous, et du coup on se retrouve ben, pour ceux qui veulent suivre et ben, en timelapse sur ce DP-là, je pense qu'on va faire trois lignes et puis en timelapse ou 3 ou 4 et puis voilà, et puis je vous fais des bisous, ciao, ciao.